Parapatatata. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Breaking News. J'espère que vous allez bien, mes chers abonnés. On se retrouve aujourd'hui dans cette facecam pour la Breaking News de la semaine. J'ai repris les Breaking News depuis quelques semaines. Ça fait trois émissions que je fais. Enfin, émissions. Le mec, il se croit. Non, ça fait trois vidéos que je fais sur les Breaking News. J'essaie de faire ça une fois par semaine, voilà, pour équilibrer un peu les choses. Ben, vous êtes au rendez-vous, hein. Je vais pas te mentir. Vous êtes au rendez-vous. Alors, oui, c'est pas au niveau de l'audience d'une facecam sur un sujet épineux ou quoi que ce soit. Mais je suis quand même très satisfait des retours que j'ai, des commentaires que vous puissiez donner dans la vidéo et tout ça. Et du partage qu'on peut en faire de ce genre de vidéo Breaking News. Alors, du coup, c'est parti, on va traiter les sujets de la semaine comme d'habitude sur le site 20 minutes. Je reprends les gros titres, faites toujours attention à ce que vous lisez sur internet. Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez à la télé ou quoi que ce soit. Faites-vous votre propre opinion en vous renseignant de toutes les manières possibles. Voilà. Bon, vous le savez que la semaine dernière, l'actualité a été beaucoup marquée par les élections présidentielles américaines des États-Unis. Autant les dernières élections, je les avais pas mal suivies en 2016, autant là, j'ai pas trop suivi. Ni les débats, ni rien du tout. J'avais regardé les débats la dernière fois, mais là, j'ai pas suivi. J'ai juste suivi le résultat et puis la cacophonie derrière tout ce bordel, j'ai envie de dire. Donc, je pense qu'on va l'aborder. Et puis là, je vois Joe Biden. Les États-Unis de Joe Biden seront-ils de retour dans, la bataille climatique, pardon. Écoutez, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas de préférence. Je suis pas là pour voter Biden ou Trump ou quoi que ce soit. J'ai déjà donné mon opinion la dernière fois sur Trump en disant que c'était une personne qui était relativement... un but de lui-même, qui était infect, qui avait beaucoup de défauts. Il a même été qualifié de sociopathe. J'ai regardé un reportage sur Netflix, je vous le conseille, ça s'appelle Trump, je crois. Ou un truc comme ça, où il retrace un peu la vie de Trump en récupérant des témoignages de proches et d'ennemis de Trump pour se rendre compte un petit peu de qui il peut être. Après, encore une fois, ça ne reflète peut-être pas la réalité, mais je pense qu'on s'y rapproche quand même assez fortement. Et on voit un peu quel type de personnage c'est. C'est un mégalomane ambitieux, etc., même s'il aime pas dire qu'il est ambitieux. Et il a fini président des États-Unis. Vous voyez, on voit dans le reportage qu'il avait cette idée déjà depuis un petit moment, mais qu'il n'était pas sûr de se présenter. Bref, je vous conseille vraiment ce reportage. Et sur Biden, il y a pas mal de trucs qui tournent, comme la pédophilie, etc. Je me suis pas renseigné plus que ça, mais bon... Ça fait longtemps, je crois, que nos élites nous déçoivent et traînent des casseroles encore plus grosses que les miennes. Hein. Donc bref, j'ai pas trop suivi les élections. À part moi, je pense pas que ça sera fini pour l'instant, parce que Biden s'est proclamé président, les votes sont là, mais en même temps, on se rend compte... Et si tu te renseignes vraiment, tu te rends compte qu'il y a eu vraiment des vraies fraudes, qu'il y avait certains bureaux de vote, il n'y a même pas besoin de carte d'identité pour voter. Donc les gens pouvaient aller à l'un, à l'autre, etc. Après, c'est pareil pour les deux camps. Qu'il y a eu des votes par correspondance, qu'il y a eu des votes de personnes qui étaient décédées. J'ai même vu quelqu'un qui était né en 1820 qui avait voté, tu vois. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses comme ça et je pense que le clan Trump va pas se laisser faire et à mon avis, on va partir dans une bataille juridique, etc. pour faire annuler des bulletins et tout. Mais vu l'avance que Biden il a, je pense pas que ça suffira pour faire réélire Trump. Je ne suis pas sûr, mais bon. C'est quand même incroyable parce que quand on voit ce genre de situation dans un pays, quand on voit ce genre de situation dans un autre pays comme la Colombie, comme plein de choses, etc., tout de suite tous les élites de la nation, des nations, etc., crient au scandale, élections truquées, etc. Et là, on a une élection, pareil pour Poutine, hein, en Russie, hein, à tout le monde crie au scandale. Mais là, quand c'est les États-Unis où il y a plein de fraudes avérées, etc. Tout le monde se tait, tu vois. Voilà, c'est un scandale, je veux dire, c'est quand même dingue qu'en 2020, on arrive encore à faire des élections aussi scabreuses et tout ça. Enfin bref, ça c'est mon avis. Olivier Véran qui est prudent sur une fin de confinement pour Noël. Alors, confinement, est-ce qu'il va durer jusqu'en février, en janvier, en décembre? On ne sait pas. Est-ce que les chiffres, ils sont en train de baisser grâce au confinement? Non, mais ils disent qu'il faut attendre encore une semaine, deux semaines pour voir une réelle efficacité du confinement, blabla. Je pense qu'on va passer Noël confiné, hein. J'ai l'impression que de toute façon on va passer Noël confiné et en 2021 on va être pareil, ça va être le même bordel, on va se retaper des confinements et tout ça, je sais pas, c'est très 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 compliqué, je sais pas comment on va s'en sortir de tout ça, je pense qu'on s'en sortira pas et je pense qu'on va vivre avec ça toute notre vie et puis voilà, ça a marqué de toute façon un tournant, c'est pas la première fois que je le dis, mais pour le confinement en tout cas, à mon avis, on va se le taper jusqu'à Noël, hein. Peut-être qu'à Noël, ils vont déconfiner juste pour les fêtes, etc. Et puis ça va faire un sursaut de contamination. Et puis après, en janvier, on va se retaper un confinement. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Non, c'est vraiment le bordel. Je sais pas comment on peut s'en sortir. Et je sais même pas quelle est la bonne solution, hein, j'ai envie de dire. Confinement à La Rochelle. En pleine nuit, la police tombe sur une soirée privée dans un bar. C'est exactement ce que j'ai dit à Cédric, Vanessa, Jérémy et Winnie l'autre jour. J'ai dit... On va avoir de plus en plus de soirées clandestines, de bars clandestins, de boîtes de nuit clandestines, etc. On va tomber en fait dans un marché de la clandestinité, où en fait les gens ils vont organiser des trucs comme là, j'ai vu près de Marseille, il y a un rappeur et un footballeur qui ont fait une soirée privée avec 500 personnes, alors qu'il y a le confinement, tu vois. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers des dérives clandestines, des dérives interdites.
enfin nouvellement interdite, parce qu'avant faire des soirées c'était pas interdit, tu vois. On va avoir de plus en plus de problèmes comme ça de marché au noir, de clandestinité, ça va être même pour les produits non essentiels là, tu vois. Je suis allé au Leclerc il y a quelques jours et c'est bon, ils ont bâché, ils ont mis le temps, mais ils ont bâché les fringues et tout ça, mais on va se retrouver, je sais pas, c'est ça, en train de partir en cacahuète complet. Coronavirus à Rennes, l'équipe de nuit à l'arrêt chez PSA avec 500 postes suspendus à cause du corps. La Société Générale annonce 640 suppressions nettes de postes. Mais de toute façon, c'est l'économie, là, en ce moment, c'est un peu costaud. Hein. Avec le confinement, le PIB en baisse de 12% en novembre. Sans déconner. L'UFC Que Choisir dénonce une aggravation de pénurie de médicaments. Non, mais non. Je fais des breaking news, là, ou ça se passe comment? Parce que là, à part des mauvaises... Enfin, les news, c'est toujours des mauvaises nouvelles, j'ai envie de dire. Mais là... Oh, y a une conductrice de tram braquée pour une histoire de masque. Tout s'est passé très vite dimanche soir dans un tramway de la ligne 1 à Nantes. Une conductrice a été menacée avec une arme par un passager alors que la rame quittait l'arrêt à Luchère. La conductrice venait d'effectuer une annonce vocale car elle avait repéré que cette personne ne portait pas de masque. C'est pourtant obligatoire dans les transports. L'homme se serait d'abord approché de la conductrice en proférant des menaces. Après s'être éloigné, il serait revenu et aurait cette fois sorti un pistolet. C'est, le monde part en couille, mais total. Oh, un peu de légèreté, un message perdu par un pigeon voyageur retrouvé 110 ans plus tard. Oui, c'est vrai qu'à l'armée, ils utilisaient des pigeons voyageurs. Hein. Une petite capsule d'aluminium avec un message à l'intérieur. Voilà, découverte qu'a faite mi-septembre un couple en balade dans un champ d'Ingersheim, dans le Haut-Rhin. J'espère que je l'ai bien dit. Oh, c'est trop chou. Le message évoque des manœuvres allemandes. Comme quoi, un pigeon voyageur, c'était moins fiable que la poste. Aïe. Là, il parle du Tour de France, mais moi, ça m'intéresse pas trop. Pour échapper au contrôle, il fonce sur les gendarmes. Ah bah oui, très intelligent, oui, bah oui, il risque de tuer quelqu'un, ouais. Un gendarme a été blessé dans la nuit de samedi à dimanche après qu'un automobiliste lui ait foncé dessus à Arès. Peu après minuit, les militaires ont voulu contrôler, mais celui-ci s'est échappé. Engagé par la suite dans une impasse, il a fait demi-tour et a foncé sur la voiture de la gendarmerie qu'il a pris en chasse. Un militaire a été blessé au cervical et ressorti de l'hôpital avec 5 jours d'ITT. Il était sous le coup d'une annulation de permis et conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants. Ça, je comprends pas. T'as déjà plus de permis, tu roules, et en plus de ça, tu te drogues. Non, mais logique, quoi. Enfin, non, ces gens-là sont pas logiques. Moi, ça, c'est un truc que je saisis pas. L'alcool au volant et la drogue au volant, c'est un truc que je n'arrive pas à saisir du tout. Parce que je trouve... Enfin, attends. On est en 2020. Je trouve ça fou. Que quelqu'un se dise, j'ai bu ou j'ai consommé de l'alcool ou de la drogue, pas de problème, je prends le volant. Avec déjà tous les risques que ça encourt envers les autres, tous les risques que ça encourt envers ton propre permis et puis ton boulot, parce que la perte d'un permis engage plein de choses derrière, hein, la perte de l'emploi, etc. Je comprends pas, je trouve que tu n'as pas d'excuse en 2020. Quand tu vas chez quelqu'un que tu sais que tu vas boire, et ben tu prévois le truc. Bon, moi, je bois pas, mais tu prévois le truc, tu vois, je me drogue pas non plus. Mais ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Des commerçants demandent l'interdiction du Black Friday. Je sais qu'Amazon, ils ont pas le droit, du coup, de parler du Cyber Monday, il me semble, hein, c'est ce que j'ai lu. Ouais, je sais pas, de toute façon, l'économie est en train de se casser la gueule d'une force. L'Arabie Saoudite félicite Biden pour sa victoire. Tu m'étonnes, sachant que Biden, et je crois, il me semble, de ce que j'ai lu, est un fervent défenseur de l'Iran. Enfin, un fervent défenseur. Qui n'a rien contre la militarisation et puis la détention d'ogives nucléaires par l'Iran. Sachant que ça pose un gros problème à d'autres pays aux alentours. Hein, Moi, je suis plus inquiet de l'élection de Biden vis-à-vis de la paix mondiale plutôt que de Trump. Hein. Parce que tout le monde disait « Oh, avec Trump, il va vouloir tirer sur tout le monde et tout ça. » En attendant, c'est le seul qui a eu les couilles d'aller voir Kim Jong-un, d'apaiser la situation, etc. Même si elle est encore ce qu'elle est. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'on soit plus en paix avec Biden qu'avec Trump. Hein. Dans le monde, parce que forcément, on sait très bien que si les États-Unis prennent une décision, on en payera toutes ses conséquences. Faut pas être naïf. Hein. De toute façon, nous, on est en plein milieu en plus. Ça rappelle un peu la guerre froide où les États-Unis avaient installé des missiles, des bases de missiles en fait en France, près du rideau de fer, et que les États-Unis et que les Russes avaient fait pareil. Et mon prof d'histoire, il m'avait toujours dit, pendant cette guerre froide, ce qu'ils avaient peur, les Français, c'est que si demain ça pète et qu'il y a des missiles qui partent, les missiles vont nous tomber sur la gueule, nous, hein. Faut quand même en être conscient, hein. C'est nous qui allons prendre cher, tu vois. Donc, ouais, c'est... c'est compliqué, quoi. Enfin, bref, voilà pour les news de cette semaine. Donc, une manifestation anti-masque des 6 ans à Prades.
La ville de Jean Castex, ouais, les masques à l'école. Je récupère les enfants tout à l'heure, je leur demanderai ce qu'ils en pensent, des masques et tout ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué quand même. Hein. C'est très très compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre en news? Masked Singer, ça je m'en fous. Macron a colombé ce lundi pour les 50 ans du général de Gaulle, la mort du général de Gaulle. Le bilan continue de s'alourdir en attendant les effets du confinement. Ouais, enfin le confinement, moi perso, je vois pas trop la différence, à part qu'il y a des magasins qui sont fermés et pas d'autres. Bon, moi je vais à la supérette, comme ça moi je croise personne, voilà, je côtoie personne, j'évite d'aller dans le centre-ville et tout, j'évite d'aller dans les centres commerciaux, mais je ne sais pas. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Breaking News, j'espère qu'elle vous a plu, on a fait le point sur l'actualité, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau point, et puis bah je vous souhaite une très bonne journée, je vous recommande chaudement de vous abonner, de liker, commenter, donnez-moi vos avis en commentaire, comme d'habitude dans les vidéos Breaking News, je les lis avec beaucoup d'attention. Allez, salut!